19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 30 octobre 2021. Rappelé à deux le 27 octobre dernier à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso où elle a été pour une mission. Bouli Adamou Idé, journaliste, présentatrice au groupe de presse Bonferré, dont le corps a été rapatrié hier vendredi, a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Yantala. C'était en présence d'une foule immense qui tenait à lui rendre un dernier hommage. Ibrahim Abdou Boubacar Ibrahim. Moustapha Abdourahmane Zongouma, merci pour toutes ces précisions. Inch'Allah, à la semaine prochaine. Immense était la foule tout ce matin au cimetière musulman de Yantala. Des proches parents, amis et connaissances, membres de la grande famille de la presse nigérienne qui a tenu à accompagner Bouli Adamou Idé à sa dernière demeure, faisant un effort face à la contingence de sa condition, alors même qu'elle séjournait à Ouagadougou au Burkina Faso pour une mission. Bouli nous quitte de manière brusque et brutale, laissant ainsi un grand vide au sein du monde de la presse nigérienne. Travailleuse, brave et impliquée, Bouli de son vivant s'est donné corps et âme pour le métier du journalisme qu'elle aimait tant. Collaborateur et ami, profondément attristé, lui rendent un dernier hommage en ces termes. Bouli est une femme particulière. Elle est une femme particulière. Pour moi, c'est connu depuis qu'elle était venue à Bonferry en 2009. Et dès qu'elle est arrivée, elle s'est focalisée sur moi. Elle voulait me ressembler. Quand je présente le journal, quand je fais le reportage, je me rappelle souvent, notre rédacteur en chef lui disait « Non, ça c'est du hierro, il faut changer, tu cherches ton propre style, tu fais du hierro. » Ça c'était dès ses débuts. Et après, ça a évolué, on est resté ensemble et Dieu a fait qu'on a été désigné pour animer la une des journaux ensemble. Et là encore, on s'est davantage rapproché. Donc je retiens d'elle une femme battante. C'était aussi une femme très très croyante. Extrêmement croyante. C'est une grande perte pour le Niger tout entier, c'est une grande perte pour Bonferré, c'est une grande perte pour sa famille, notamment ses trois enfants. Mais bon, nous, c'est comme ça la vie, on n'y peut rien et nous prions Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. L'image qu'on garde d'elle, c'est l'image d'une journaliste professionnelle, une combattante, une femme dynamique qui n'a jamais était en marge du terrain. Je me rappelle d'un de ses derniers posts sur les réseaux sociaux où elle avait mis des images d'elle sur le terrain. Elle disait « Le journalisme, c'est le terrain ». Donc vraiment, on garde d'elle également ce sourire qu'elle a toujours eu, ce rapport social très facile avec elle, au-delà du cadre professionnel. Et nous profitons de l'occasion au nom de toute la presse nigérienne et particulièrement au nom de Canal 3 Niger pour adresser nos condoléances à sa famille et également à la presse nigérienne dans son ensemble. Nous venons de procéder à son inhumation et nous avons prié pour son âme. Nous avons prié pour nous-mêmes pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité d'avoir une bonne fin, Nous avons prié pour que la paix règne dans tous les pays. Nous avons prié pour que les cœurs s'apaisent. Madame Bouli Adamou Idé, moi je ne l'ai pas connue de près, mais de loin et de ce que nous entendons, des témoignages que nous recevons, elle a été une bonne personne. Que son âme repose en paix. Et nos condoléances les plus attristées à sa famille. Tout à certes, une fin semble nous avertir le temps. Et comme disait l'autre, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Hélas, inattendu et imprévisible, la mort est ce qui fait sombrer la vie de l'unéant. Autant nous avions besoin d'elle, autant elle doit répondre à l'appel de son Créateur. Et le monde de la presse ne peut que se résigner à la volonté divine, avec le cœur meurtri et désenchanté. Va en paix, très cher Bouli, et que le bon Dieu veille sur toi. Tu es certes parti pour toujours. Tu resteras gravé dans les esprits. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin. Au revoir. Ainsi va la vie. Va en paix, Bouli.
Ouverture ce matin à Tillabéri d'un atelier de formation à l'endroit de 35 jeunes de la commune urbaine de Tillabéri et celle de la commune rurale de Gauteuil sur les règles de bonne conduite à l'activisme numérique organisé par EHPAD Niger. Une formation qui ne saurait être possible sans l'accompagnement de la coopération suisse à travers le projet EHPADOC. Hamza Sakou, Sadou Domi. Promouvoir une culture de bonne gouvernance et une participation active des jeunes dans les affaires publiques au niveau local à travers l'activisme numérique est l'objectif visé à travers ce projet initié par l'ONG EHPAD et ses partenaires en faveur des jeunes. Ainsi, 13 localités sont ciblées à travers le pays, dont la région de Tillabéri où se tient cet atelier de formation à l'intention de 35 jeunes web activistes sur les règles de bonne conduite à l'activisme numérique. Comme vous le savez, l'on assiste de nos jours à une plus grande utilisation des médias sociaux via les téléphones mobiles de par le monde, avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Cette ascension observée de par le monde n'épargne pas également le Niger, qui est aujourd'hui à l'ère de la 4G. Afin de mieux canaliser les actions des jeunes web activistes que vous êtes sur les réseaux sociaux, l'ONG EHPAD a bien voulu contribuer d'abord à vous organiser au niveau des communes, des régions et bientôt au niveau national et améliorer vos connaissances sur les principes basiques nécessaires à une bonne diffusion d'informations de qualité, fiable et crédible, avec un impact certain sur la vie des citoyens en général. Ainsi, les jeunes issus de la ville de Tillabéri et ceux de Gauteuil verront leur capacité renforcée sur les règles de bonne conduite à l'usage du web activiste et le contenu de la loi 2019-33 portant répression sur la cybercriminalité. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le maire de la commune urbaine de Tillabéri a souligné son ambition pour les jeunes de son entité administrative. Notre ambition est de voir les jeunes s'impliquer davantage dans le contrôle citoyen de l'action publique à travers les réseaux sociaux devenus de nos jours un moyen d'expression à grande échelle. La tenue des sessions de formation sur les techniques rédactionnelles en ligne et la diffusion d'informations diversifiées de qualité, l'organisation des webinaires nationaux sur la transparence des budgets des collectivités, le droit d'accès des citoyens aux sessions budgétaires des collectivités, le suivi budgétaire, la publication des dépenses budgétaires au niveau des collectivités et le partage des bonnes pratiques des meilleures communes qui se sont illustrées dans la bonne gestion, entre autres. Quant aux participants, cette formation est... Pour participer à la gestion de... des collectivités dans nos communautés et travailler en étroite collaboration avec la mairie, voir ce qu'ils sont en train de faire et apporter notre soutien parce que nous savons que maintenant tout se fait pratiquement sur l'Internet. Rendre visible ce qu'ils sont en train de faire sur le net, dire ce qui se passe, dénoncer ce qui est mal fait. Et aussi encourager ce qui se fait de bonne manière. Avec cette formation, nous avons compris qu'il y a des choses, il y a des lois, il y a des règles à respecter, en tout cas pour des publications responsables qui aboutissent donc à des résultats attendus par la population. On nous a édifiés, nous avons appris beaucoup de choses ici, qu'une fois les localités les plus profondes donc, du Niger, nous aurons, Inch'Allah, à dénoncer, à publier des choses en tout cas qui tiennent beaucoup à cœur la population. L'activisme numérique est devenu vraiment un moyen incontournable pour les jeunes pour pouvoir contribuer au développement de leur pays. Donc aujourd'hui, on nous a appris des règles de bonne conduite pour pouvoir diffuser des publications vraiment crédibles et à fort impact, qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Cette initiative de l'ONG EHPAD a bénéficié de l'appui financier et technique de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance démocratique.
Restons toujours à Tillabéri avec l'inauguration ce matin d'une classe préscolaire construite en matériaux définitifs à Guéri-Guindé, Zarma. C'est dans la commune rurale de Libori par l'ONG Libo. Cette initiative a été possible grâce à l'appui technique et financier de Pencil for Kids, partenaire de cette ONG. C'était en présence de plusieurs autres invités, nous rapporte Asma Ousseidou et Nasser Seydou. C'est par ce poème de cette jeune fille sur la scolarisation de la jeune fille qu'a débuté cette cérémonie d'inauguration d'une classe préscolaire à Guéri-Guindé-Zarma dans la commune de Libori. L'initiative est celle de l'ONG Libo, une ONG qui œuvre pour un développement global et durable. Présent à cette cérémonie, le chef du canton de Libori a tout d'abord tenu à remercier l'ensemble des invités présents à cette cérémonie, mais aussi et surtout l'ONG Libo pour cette initiative. Un geste également salué et encouragé par le maire de la commune et le représentant du préfet du Kolo. L'initiative de construire une classe pour le jardin d'enfants est une bonne initiative parce que c'est cadre avec les objectifs des autorités qui veulent finir avec les écoles payotes. Au nom des autorités préfectorales, je remercie également l'ONG Libo et je lance un appel à tous les autres partenaires qui interviennent dans le département du Kolo à emboîter les pas à l'ONG Libo. Les efforts de l'ONG Libo dans le domaine de l'éducation sont multiples et variés et cadrent parfaitement avec les objectifs du gouvernement. La question de l'éducation occupe une place de choix dans les actions de notre gouvernement. En effet, le manque d'infrastructures propres et adaptées aux enfants est une préoccupation à tous les acteurs de l'éducation que nous sommes. Le sous-secteur préscolaire constitue l'alpha et l'oméga de tout système éducatif. Donc, en ma qualité de représentant de la direction qui s'occupe du préscolaire et primaire, nous ne pouvons que féliciter et remercier très sincèrement l'ONG Libo pour nous avoir offert ces infrastructures destinées au préscolaire. Mettre fin aux classes en paillotte afin de sécuriser la vie des enfants, c'est l'objectif visé par l'ONG Libo à travers l'inauguration de cette classe en matériaux définitifs. Conscient de l'importance que révèle l'enseignement préscolaire, notre structure avait initié avec l'appui financier de notre partenaire Pencil for Kids du Canada, des garderies d'enfants communautaires de la commune rurale de Libori depuis 2010. Compte tenu des moyens très limités, nous nous sommes engagés d'abord à transformer progressivement tous nos hangars améliorés en classes en matériaux définitifs. Mener une campagne de sensibilisation pour la mobilisation des partenaires afin d'atteindre l'objectif zéro hangar dans les écoles préscolaires. Faire en sorte que les victimes ne soient jamais oubliées par les décideurs à tous les niveaux. Ainsi, avec l'accord du ministère de l'Éducation nationale, nous avons décidé de mettre sur chaque classe construite non seulement une plaque indiquant le bailleur de fonds, mais aussi une autre pour immortaliser nos enfants victimes de ce drame. Ça n'est suivi le moment tant attendu, l'ouverture de la classe inaugurée à la mémoire des 21 élèves du préscolaire victimes de l'incendie de l'école Pays-Bas le 13 avril 2021. Une présence pas de moindre à cette cérémonie, celle de Abdelrachir Mahmoudou, le rescapé de l'incendie de l'école Pays-Bas. Les places publiques dans la capitale Niamey, lieu de distraction pour les jeunes, connaissent depuis quelque temps une dégradation, pourtant faisant la fierté de la ville de Niamey. C'est du moins le constat d'une de nos équipes qui a fait le tour de ces espaces. Il s'agit de Nafissatou Yahia et Aboubakar Soulé. Niamey, la coquette, Niamey, Niala. Plusieurs réalisations ont contribué à donner à notre capitale ce caractère digne d'une ville moderne. Entre autres réalisations, les places publiques aménagées sur les grands carrefours de la ville.
devenant ainsi les lieux de loisirs, de sport et autres activités académiques pour la population scolaire parce que dotés de Wi-Fi. Une fierté pour la jeunesse, la population de Niamey et même pour le pays. Malheureusement aujourd'hui, le constat est amer. Ce sont des espaces abandonnés à eux-mêmes. Aucun suivi, aucun entretien, une démission totale des autorités en charge de ces espaces en témoignent ces usagers et riverains. Cet endroit, c'est un peu dégradé, c'est pas en l'aise à rester pour vivre. Et ici, il y a quelques temps, bon, on ne peut pas rester pour causer parce qu'il y a trop de l'eau partout. Bon, les gazons même, c'est déjà gâté, on peut dire. Il n'y a pas de gazon même dans l'endroit. Il faut un peu d'arrangement. Je suis venu pour naviguer un peu dans mon téléphone. Si je serai à l'école, c'est un peu dégradé. Ils en appellent à ces autorités de jouer leur partition pour sauver ces espaces. Les autorités qui peuvent nous aider à arranger pour que les jeunes puissent rester, être en l'aise, même à étrangers qui passent peu. Un peu de pause pour ses besoins. Je lance un appel à l'endroit de l'autorité pour qu'on vienne réparer cet endroit. Il est important que ces autorités prennent en compte ces cris de cœur des jeunes pour récupérer ces espaces construits dans le cadre de l'embellissement de notre chère capitale, Niamey. Voilà, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.